ne manquez plus aucune émission. Voilà. Ça déshonore la police. Même la carte à police. Parce que vous avez la mission à Bango. Parce que vous avez la mission à Salaka. Ce n'est pas demandé à tout le monde depuis qu'on a été tenu. Tantôt, dans l'ordre des repos. On va dire que tout le les quatre n'a rien. On va dire que on va dire, oh, stationner ma baie. Oh. Il y a aussi un endroit où on va dire que tout le stationner ma baie. Mais parce que tu as une mission à Bangouana. On va dire que c'est un peu de ma carte. Si on va faire une bonne volonté, attaquer la carte électorale à la question. Oh non, on va rater. Comment? C'est quoi ça? Mouibi. Tracasserie. Au coup de ma maman, c'est qu'on a pas un quartier au hausse des prix. Bon, mais si t'as le fond l'année. Mais est-ce que ça me sert à rien? N'en a-t-il dit, on s'en a. Besoin de service à présent, on a au coup de la hausse des prix. Tomé au Kobongissa. Cher compagnon d'armes, Tobongissa. Tout ça me métier n'a pas sauté. Tout ça me corps n'a pas sauté. Tout ça n'a pas malam. N'a pas qui m'a fait passer, tout ça la courtois. On a mission à yo, on a rigueur la mission à yo, mais on a courtoisie. On peut interpeller moutou, n'en dengue à malam, ou peu la qui s'y est ma faute. Si faut me mettre à bureau, ok, n'a yé. A fouta, ce qui amande à fouta kuna, mais n'en dengue à bosembo, n'en dengue à courtoisie nyoso. On l'a qui s'est faute naïe. Il est mon conscient. Dans ma belle et à c'est comme ça. Quand on est grand, on a le respect. Ivresse publique. Nous sommes à côté de la carte à comportement. Na era Moussala. Mbongo osakanango pe mingite. Wana yebani. Mais soko so tracasse batu aux usuya au moins 500 moins 1000 au moins 200 au moins bona boy tout ça. Na era musala au côté nganda. On va dire que ça whisky à sachet. Au langui na era musala. Ivresse publique. Ozo bosa na bikolo yo na biloko yo babengi yango réseaux sociaux yo. Tuko kwa zana kwepe azo filmo malembe. Et puis a balancer yango. Ozo na mulangira yo. Babeta musique yo kuna zobina na mulangira yo. Na area service s'il vous plaît. Na tenue s'il vous plaît. Et ça, Sony. Et ça, qu'on s'envoie sa police. Mais mon Dieu, très bien, l'uniforme, on a bien signé, ce qui est percé, ce qui n'est ni. Le corps, on se souvient, commissaire général adjoint, police administrative, à l'Andaki Bangoua, on a fait rouge, et ça, on a fait parler du peuple. Mais qui m'a dit, on a 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 commissaire général à l'Andaki Bangoua. Mais pourquoi, qui m'a dit, ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit, na bien, na dengue malam, aucun point ni. Na misha batu, ma population, ça couvre le sec. Babouli tarababololo, tarababololo, tarabazokim, tarabazokim.
Ivresse publique na era musala. Et sengeli tomé ko changer. Matin on pas biso batou. Toza batou, toza banyamate, toza batou. Toza na conscience. Tozo yoka. Mais qu'on s'en foutre dans le côté. Wana. Etalinga ita, etali yo. Bien sûr, etali pengai. Mais etali pe yo, surtout yo. Yo moutozo, bazo koutaka yo, bazo bona yo. O moutozo sa la patrouille. Yo moutozo la PC. Les alliés importants, mingi pona yo. Tolanda mate awana, les alliés importants, bokangango. Bon, mais quand on tombe dans un angle, changement est sale à ma peine à la police. Tout comme une habitude, moko ya ma peine à la police. Et puis, wana, et t'as dit que c'est un officier. Le commandant n'est pas mis en wana. Je suis venu dans le sabre, je suis allé wana. Là, je suis peut-être si je suis allé à la tribune. Kabino na Kinshasa te. Awa na zoko s'adresse pour la police nationale congolaise. Na ba commissariat provincial mususu kuna nyoso. Surtout biso ba officier. Oto zoko gere batu. Na niveau ba siat. To sou siat. Irbento territorial. Ki komata. Na eloko ba bengi recrutement illicite. Kozwa ka mutu boye. Mutu mwana moko garçon moko boye to fie moko boye. Piske boye bani na ye. To bon frère na yo. To camarade ya mwana na yo. De yo sa kanini. Oh, mais comment ça est le côté? Mais y'a qu'à tirer comme ça la police pour les années? Y'a au côté. Au Kamati, au PC est tenu à comme policier. Aussi, faux numéro matricule, mon coboy, au bambier. Toi, y'a policier, mon cassé à couffre, au cassé, et collègue, au bambier. Mais aux amis, quoi ça? N'a qu'au si y'a Yo mutoza na kati ya makambo wana. Yo mutoza na kabongo. Tusto tie. Komisyon moko ya bankete. Zota mbola malembe malembe. Nangana bilisabino mutu moko. Asala seite. Ayekola eloko moko te. Formation moko quelque part boya ta garde à vous alignement gauche gauche à droite à salaté règlement militaire moko te atangi ngo a ebi rien à côté ta dit règlement discipline mesure de sécurité arme atanga ngo te akobika police peta bazo pata pata akobika patrouille ale kamata arme arme ngo akobande ngo ndenge nini arme wana. Puisque na CI, ma collègue Sabino sont au côté de la magasin d'armement qu'on a Munduki Nayo. Munduki Nayo est un numéro tel, tel, tel. Ozui Ango Otali, oui, à solo. Et le cas de Bosangwana. Otali, oui, c'est un arme Nangai. Namouni numéro, c'est un arme Nangai. Obimi Nango di Banda. Obimi Nango di Banda. Otien ou la direction non dangereuse. Olongo les chargeurs. On l'a dit s'il était. On percutait en gros. Peke, 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 peke. Au Kati, on va appeler ça. Gâchette. Aux hommes qui se chargent, on monte ça vide. Bon, qui n'a pas pris. Mais au Sali, à ta, et l'eau qu'on a atteint dans le pays. Aux yeux qui ont armé, on a même été ceux qui disent ça, c'est dans la chambre. Ceux qui ont, au Sali, même dans le monde, ceux qui ont été, allez, caraboui. Aïe, qu'on l'a atteint. A comment t'en as séi mon côté? A sa peine numéro matriculité, il y a encore la peine de Azouakambongote. Kuna baye biete, na base de données à police, Azalakate.
kuna pa DRH kuna. Po awana DRH pa biso na direction générale de ressources humaines na kati ya base de données policier nyoso. Po ya police nationale congolaise. Oza la wapi? Oza kasoki na territoire ya wapi? Oza kasoki na commissariat provincial nini? Leo na boy ko tanga ba ko ba territoire ngopo ba to mona ka ba ko tanga mona ka ba ko ba saka ba ti ambali ya zamba na otanga ba ko te oza na kati ya 145 territoire oza na kati ya base de données awa na commissariat général il faut mettre ka machine pa 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 ba tali e a apetel azaka na territoire tel na commissariat provincial tel mais yo tanga ba rekite o boy ba pesa ko ba pesa o teni ba pesa o arme oza na base de données te. Donc, dans ce cas, Santa a un bon côté. Mais ce que je regrette, ma commissaire provincial m'a dit que tu n'as pas de message. Oh, et pas d'angai, j'ai 200 policiers, bah, un bon côté, ça fait 6 mois, bah, un bon côté. Baouti wapi, yo commissaire provincial. Baouti wapi. Donc, vous les avez recrutés illicitement. Nandenga Nabino. Pour la côté, c'est effectif Nabino. Tu as besoin d'effectif. Il y a bateau basa la formation T. Ils ont besoin de la qualité. Il y a bateau basa la mouké, mais on basa la formation. Bon, vous avez un peu ébélé à voir avec notre le banabino. Moi, vous dites, dis-moi, dis-moi ça. Ça va, oui. Moutou a récuté, yé. Yé, on a pas bémié d'arrêt d'arrêt dans ton gros dans l'hôpital, qu'on a plus que à Monique à Samboué. Mais tant que vous avez quitté, ça va pas quitter. Hein? Par l'armée, à Zaganango. Armée, là. Si vous continuez, ma caractéristique est armée, on a AK, aïe bien côté. Fonctionnement est armée, on a AK, aïe bien côté. Et bien, t'as qu'un dégénini. Quand est-ce qu'on continue à avoir un rafale dans le coup par coup, aïe bien goûté. Puisque aïe codi en goûté. Le col aïe, à quelqu'un auditora, pour un dégât victime, il y a officiaux à récupérer. Il s'appelle comment? Colonel Ekofo. Colonel Ekofo Janine. Commandant Sego a pris gestion à celle. Matrikine et Pézalia. Siko Bino Banso, Moko Moko. Oto Kwekanaye, Moko Moko. Auditora. Auditora. N'a que 5 auditeurs et général. Manangoza la Penza, Penza ou Kolongoloba grade. Ndenge ko la partie à Siko. Bon, on va essayer de me commenter aussi qu'en gros. Bamba, parce qu'il y a un bon côté. Tant qu'on a un bon côté. Puisqu'il y a un cas de base de données. Il y a un bancarisé pété. À cause de la salle, on s'en Koiba, comment tu as bon côté? Parce qu'il y a un bon côté. Mais il y a un des alliés à la base, il y a officier. C'est très grave ça. Avant ce qui s'est solo, n'a profité na eloko na yoki na omoniawa, l'amour du prochain. D'abord, kati na biso, photos en abolingo. Tolingana, pour que tout salam sala, ndenge moko, la main dans la main. Ce que tolingani, ma kambona zolo bawa, toko salango et longo, puisque. Les amis, ça, le biso, moko, to, lingi, na, motema, na, biso. Toza, ba, volontaire. Mais, na, kati, na, biso, toza, na, amour, kati, kati, na, biso. Toza, na, amour, na, école, na, biso. C'est comme ça, il y a, ba, qui, loyauté, il y a, biso. Toza, amour,
la population tous a appelé Kobiko pour sécuriser puisque tous cinq musalango bisomoko tous a ma volonté de prendre ango toke ma père susu na loko ya droit de l'homme na zangi sa kolobango te ko répéter ango moto si a bon moto enime onyo soma bena tu kolobawa. Et ce qu'il y a dit, c'est toujours violé le droit de l'homme, le droit à Moutou. Autant que vous êtes tracassé, au fin de la Mabélé, au Nyokolié. Parce que tant que le droit de l'homme, violence est un ennemi, tout le monde a une violence sexuelle. Il y a un peu de coups, il y a un peu de coups. Il y a un peu de coups, il y a un peu de coups, la police est là, et il y a un peu de soucis. Il y a un peu de coups, on dit ça, par exemple, tant que vous êtes tracassé, il y a un peu de coups, la liste noire. Mais si mon mouquet, la matière, il y a aussi, tout ça, il est au bimissi moutou. Mais tant que la erreur, on a été faute, on a été. Surtout, comme je t'ai dit, violence sexuelle. La peine de la violence sexuelle, le droit de l'homme, les habits sont belés. La tracasserie, l'arrestation arbitraire, qu'on y a un moutou, qu'on y a un pamba, pamba. Qu'on prime un moutou, papa, mon bimba, qu'on mette un film, qu'on mette un bata pour rien. Donc, il faut vivre comme moi, comme ma la direction de renseignement général. Si vous voyez bien, vous voyez bien. Si vous voyez bien, 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 police est sambwe, babou mimoutou. Car pour le comportement, il y a un excès de zèle. Policier a sa moutoumoko, na mission na biso na benga rango noble. Puisque sa mission biso moko tolingi ango. Pour y combattre la population na biloko. La population bazo lala, bazo pema, bazo la bandako na bango, biso tola la patrie tozo leka. Pour ma bé comme la bango na bandako na bangote. C'est la mission noble de la police nationale congolaise. Tant sa la gona boboto, nandenge estengedi, pour que, et puis ça fait le coup de la Yomoko, et puis ça fait le coup de la police, et puis ça fait le coup de la commandant suprême, Oyo Moutazo Kambabiso. Nakani si, on a zaki nango pour aller lobo retenir en malam, et ça m'a été un moko très important, Oyo Kosali sa yo policier, na carrière na yo. Merci pour la boyoki malam. Ligado. Vite, garde à vous. Pour l'avancer, mort. Allez, à vous. Faites présenter les armes. Fermez le bord. Musique. Fermez le bord.
Mon pied est bon. Amis téléspectateurs, vous venez de suivre à l'adresse du commissaire général de la police nationale congolaise un discours qui est revenu sur les égarements constatés dans la police qu'il faudrait éviter désormais. Pour l'avance, aligné. Pour le défi, après l'adresse du commissaire général de la police nationale congolaise, à présent, c'est le traditionnel défilé qui vient après, qui va donc sanctionner la fin de cette cérémonie après avoir entendu l'autorité de la police nationale congolaise, représentée par le commissaire général Dieudonné Amouli Baïgoua. Les différentes unités de la garnison de Kinshasa vont passer ici défiler. Pour sanctionner cette activité. En somme, le commissaire général de la police nationale congolaise est revenu sur la discipline, la mère des armées qui doit s'observer. Un policier ne devrait pas s'enivrer pendant les heures de service. Ce n'est pas envisageable parce qu'avec les réseaux sociaux, vous vous enivrez, vous vous comportez indécemment. Un citoyen dans un coin soupçonné, vous filme et il balance ça sur les réseaux sociaux. Et tout de suite, l'image de la police nationale congolaise est ternie. Toute la police est insultée, est ternie à cause d'un comportement irresponsable d'un seul élément de la police nationale congolaise. Il faudrait que chacun prenne la mesure des responsabilités qui sont les siennes et de l'image de toute la police qu'il représente dans le moindre geste, dans le moindre comportement qu'il affiche devant la population en privé ou en public. C'est donc ça l'essentiel du message du commissaire général de la police nationale congolaise. Il a été très intransigeant et apparemment les sanctions vont s'en suivre et il a présenté au passage, vous l'avez suivi, un policier qui a été arrêté par la police criminelle. Cet individu se retrouvait par effraction dans la police nationale congolaise. Il est détenteur d'une arme dont il n'a aucune maîtrise de maniement. Et malheureusement pour lui, ou heureusement pour la police nationale congolaise, dans une mission, quelque part, la police criminelle est tombée sur cet individu qui constitue un danger pour la paisible population. Il a été mis hors de temps de nuire et c'est lui qui l'a recruté. Une femme colonel a été, il s'agit bien sûr du colonel Ekofo, une femme. Quand elle a appris que les éléments de la police criminelle étaient tombés dessus, un élément qu'il avait frauduleusement recruté et auquel il avait confié la tenue de la police, une arme, elle a connu une crise de tension, imagina certainement son sort. Mais cela n'empêche pas que l'auditorat militaire se saisisse. Le commissaire général de la police nationale congolaise lui-même a rappelé qu'il entrera en contact avec les responsables de l'auditorat militaire pour leur rappeler ou leur insister pour que les sanctions soient exemplaires, arriver même à emprisonner les coupables et surtout les dégrader si les fautes qu'ils ont commises nécessitent bien cette dégradation. C'est donc mettre sur la place publique la nécessité pour la police de corriger les erreurs qui sont commises par les éléments incontrôlés, les éléments qui n'ont reçu aucune formation,
Toutes les unités sont en train de défiler ici, devant la tribune du stade de Martyr, où tous les responsables de la police nationale congolaise sont rangés, debout, pour saluer ces éléments des différentes unités de la police nationale congolaise. On a parlé de la LENI, on a parlé de la police des circulations routières, on a parlé des territoriaux, du commissariat urbain, des Souciat, on a parlé de, des unités de protection de VIP, on a parlé de la LENI, en tout cas toute la garnison de Kinshasa qui s'est représentée, et devant le commissaire général de la police nationale congolaise, il défile pour marquer la fin de cette causerie morale qui a permis au commissaire général de la police nationale congolaise, le général Dieudonné Baïgoua, de communiquer les valeurs de la police nationale congolaise, de convaincre ou de rappeler aux uns aux autres les missions régaliennes de ces unités de la police, en appelant les responsables provinciaux de prendre leurs responsabilités et d'éviter d'insérer dans la police nationale congolaise ou de recruter de manière frauduleuse les éléments qui risquent de causer beaucoup d'ennuis à la police nationale congolaise par un comportement irresponsable. Cela a été dit, cela a été fait, le ton a été un peu plus martial. Le général Dieudonné Amouli, Dieudonné Baïgoua, est resté très intransigeant et apparemment très sévère dans son discours. Et je crois que le message est passé 5 sur 5. Le commandant de la mine province de Kinshasa, le général Gassongo, était lui-même présent ici au stade de Martyr. C'est lui qui a présenté au général Dieudonné Amouli Baïgoua cet élément de la police recruté de façon frauduleuse. Et c'est dire donc que désormais, les enquêtes vont se poursuivre sur les terrains. On suivra partout à travers la République tout recrutement de la police nationale congolaise pour s'assurer que tout se passe dans l'ordre, tout se passe comme il se doit et que on ne se retrouve pas dans les situations telles qu'évoquées par le commissaire général de la police ou les commandants des polices des différentes provinces l'appellent pour lui dire qu'il y a des éléments qui ne sont pas payés, 200 par-ci, 300 par-là, avec l'informatisation du système. Les ressources humaines de la police nationale congolaise disposent de tout l'effectif de la police nationale congolaise disséminé à travers la République et qu'il est impossible de constater dans une province ou dans un territoire des éléments qui ne sont pas répertoriés à la direction des ressources humaines à Kinshasa. Cela suppose donc que tout recrutement doit se faire selon les règles de l'art et selon le besoin exprimé par le commissariat général de la police nationale congolaise qui va lancer un appel d'offres et cela passera par la radio-télévision nationale congolaise. Le recrutement se fera dans toutes les provinces à des heures précises, à des moments bien précis pour que dans l'ordre, chaque élément obtienne son numéro matricule, qu'il obtienne son arme après avoir reçu l'instruction nécessaire pour éviter ce genre de comportement. Dans les marches, quelqu'un qui ne sait pas comment on manie l'arme donne la mort facilement avec une arme achetée avec de l'argent public, les munitions achetées avec l'argent du trésor public. Il est donc désormais recommandé à chaque commissaire provincial de s'interdire ce genre de recrutement fustigé par le commissaire général de la police nationale congolaise. Il a aussi commencé par présenter les vœux les meilleurs aux policiers au nom du président de la République, celui-là même qui a la responsabilité de gérer cette nation et de conduire à sa destinée. Ainsi donc, les policiers, nous l'espérons bien, ont pris la mesure de leur responsabilité, surtout leurs responsables à différents niveaux vont relayer ce message aujourd'hui, demain, mais en tout cas ils vont le faire aussi fréquemment que possible pour que ce message soit intériorisé par les policiers,
village soit intériorisé par tous les éléments afin que sur les terrains on ressente le changement tant souhaité par le président de la République, par le commissaire général de la police nationale congolaise, qu'il a répété incessamment et qu'il a répété il y a peu. Et indiquer que la responsabilité est collégiale, il n'est pas seul à vouloir et à tenir cette volonté de voir la police s'améliorer. Il faudrait que chaque officier, partout où il se trouve, à chaque occasion, travaille pour l'amélioration des services que la population offre au peuple de la RDC. C'est ce peuple pour lequel la police existe, qui a besoin de plus de sécurité, qui a besoin de plus de présence policière pour que la quiétude soit assurée. Le banditisme urbain, la police doit combattre avec la dernière volonté, la dernière vigueur, pour que la sécurité soit assurée sur l'ensemble du territoire national. La collaboration inéluctable entre les policiers et les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo doit être démise. Cela doit être répété tout le temps et à chaque moment aux éléments de la police. Nous pensons que le message est passé, il a été entendu et que les responsables à leur niveau suivront pour que chaque jour, au moment de leur parade respective, ils auront à répéter ce message et que nous verrons dans les mois à venir l'amélioration des services de la police, mais surtout dans le comportement des policiers. Les roulages, les policiers de circulation routière ont été savamment savonnés par le commissaire général de la police, ou mieux, ont été interpellés pour qu'ils travaillent assidûment et évitent beaucoup de complaisance dans leur façon de faire, et que le policier qui n'est pas de service ne se comporte pas comme un policier en service. Tout ça a été dit par le commissaire général de la police nationale congolaise. Il a insisté sur cette question pour que les chefs, les responsables, répètent à leur niveau, à leur subalterne, pour que la République mérite une police à la hauteur du besoin, de la quiétude dont a besoin la population congolaise.
sacrement d'honneur. Alignement. Mort. Gardez. Au sabre. Pompez. Allez. De la police nationale congolaise, mon général, et qui prend fin la côté de mauvaise décision. Commandant troupe, vous allez transmettre les félicitations pour vos les défilés, bien que sa préparation, et j'en profite pour féliciter les débloqués de PP, sans entraînement, ils ont bien défilé. À vos pieds. On s'est toujours adressé à nos unités. Je m'adresse comme ça, c'est pour toute la population congolaise, par pied sur l'étendue du territoire national. C'était pour leur présenter le vœu de nouvel an du commandant suprême. C'est pour leur parler de la discipline, c'est ça les fondements de la police, comme de l'armée aussi bien sûr. Sans discipline, la police ne peut rien faire. Je leur ai parlé, je leur ai exhorté de bien se comporter, puisque la police a sa mission régalienne de sécuriser la population, c'est bien. Et là, il faut avoir un comportement digne vis-à-vis de la population qu'on est censé donner la sécurité. J'ai vraiment insisté sur ce comportement-là. J'ai insisté sur le comportement surtout des roulages. Les policiers qui sont commis à réglementer la circulation routière, parce que très souvent il y a beaucoup d'abus, ils se comportent mal, ils sont en train de tracasser les gens, et tout ça là j'ai insisté là-dessus. Et j'ai parlé un peu de la patrouille, quand la police est lancée pour faire sa patrouille, c'est dans le cadre de la mission régalienne de la police, de sécurisation des personnes de leurs biens. Il ne faut pas qu'on attende encore qu'ils tracassent les gens, ils leur ravissent leurs histoires. Là, ils marchent à la contre de la mission de la police et ils déshonorent la police. J'ai insisté aussi sur ce que nous appelons recrutement illicite. Parce que nous trouvons beaucoup de policiers qui n'ont pas eu la formation, qui n'ont jamais été dans un centre de formation quelque part. Nous les avons dans les rangs et ce sont eux surtout qui commettent beaucoup d'abus puisqu'ils n'ont rien appris comme formation militaire, comme formation de la police. Donc en résumé, c'est ça, le respect des droits de l'homme et l'amour du prochain. Voilà. Quel est le message clé par rapport à l'incompréhension entre la police et l'armée par rapport au récent cas qui est survenu à Kinshasa particulièrement? Le message clé, c'est que l'armée et la police, nous avons les mêmes missions. Les mêmes missions. Je ne sais pas si je vais les expliquer ici, mais ce sont les missions qui sont les mêmes, que ce soit de la sécurisation des institutions, que ce soit d'assurer l'intégrité du territoire, que ce soit de la protection des personnes et leurs biens, ce sont les mêmes missions et à l'armée et à la police. Donc quand on est dans la même mission, on est appelé à s'entendre, à travailler la main dans la main, en toute collaboration, et il n'est pas question de se tirailler, de se chamailler, et surtout vis-à-vis des gens qu'on est appelés à sécuriser. Donc c'est ça, j'ai insisté sur ça, parce que le commandant suprême lui-même m'a tiré les oreilles, il a insisté que nous puissions parler aux policiers, et les chefs MJ venaient de le faire aussi aux militaires. Donc nous sommes appelés à travailler la main dans la main, et la police et l'armée, puisque nous avons les mêmes missions. C'est le terme. Bon, mais c'est nous, ce que tu commets dans le début en Boula, pour sur la famille et les policiers, nous sommes la République démocratique du Congo, pour tomber dans le monde, qui est pas commandant suprême, pour cela qu'il y a un policier pour implémenter la discipline, puisque discipline, nous l'avons de base. Armée, la police, c'est pas de l'école, discipline, c'est votre discipline, on s'en va en armée, vous allez l'armée, police, vous allez l'armée. J'ai beaucoup insisté pour détailler qu'il y a un mot à casser,
Le comportement policier, c'est un comportement digne vis-à-vis de la population. Il y a appelé pour sécuriser, d'après, c'est leur mission d'ailleurs régalienne, la sécurisation des personnes de leur bien. Alors, ce qui est comme la population, Ne manquez plus aucune émission. Voilà.